وكين البروفيسور الحسين يحيى وما سينير وما ينير أزول لك الحسين حسين الزول رشيد زوم راني مسفلي ذن تكي ساك جو فودري دابور اكس نمرا اكس نمرا تكي ساك يتنوف كاياكي باش اكس ندناوي يا والا في ثلث سنه كاد نير نخدم الدومين بيوميديكال اللي راك تزرد

je voudrais exprimer ma gratitude hein, envers tous ceux que j'ai croisés dans mon cheminement, dans mon itinéraire, et qui m'ont permis de relever ce, ce genre de défi. Euh, où, en fait, je voudrais dédier, donc dédier ce succès à tous les membres qui ont aidé, euh, la diaspora, euh, Kaby, qui ont un grand besoin, parce que quand vous allez à

à se faire une opinion même politique en écoutant des chanteurs, des poètes ou des ou des fois a des politiciens, hein? on a on en a bavé avec des politiciens et c'est quand même surprenant. Regardez Canada. Euh, si tu prends Radio Canada, souvent ils interviewent des scientifiques. Ils en vont appeler as as euh, C'est tous des doctorants, des PhD, etc. Il euh, n'y a pas de mal à ça. Hein, sur le grand public. On essaie de vulgariser la science, mais ça nous a coûté très cher parce que nous avons peut-être les débats. C'est des religieux, c'est des gens incultes pour la plupart et qui conduisent le pays.

un internet. Plus, euh, euh, il, y a, il y a six mois en arrière j'avais plus de 1000 amis sur Facebook. Voilà un nettoyage, un nettoyage a 400. il okay? est 400 yagis, La nouvelle fraude, il y avait sept au départ là, qui, ont, qui qui ont lu le message en fait du classement des scientifiques. Euh, qui vont euh, témoigner un petit peu, enfin qui vont remercier. Euh, mais les médias sociaux, évidemment, il euh, y a euh, scientifique là, non, euh, quelqu'un en neurosciences, pour ne pas le citer, c'est Boehler. Il y a que euh, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas avoir plus plus de 120 amis. C'est impossible. Notre cerveau ne peut pas gérer plus que 120. Et bien, va venir Je vais des messages là. J'arrive à 137. On a dépassé un petit peu la limite. Donc, c'est pour dire que je suis très content quand même. Ouais. Euh, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité euh, qui compte des gens. Bon, ça, c'est une euh, citation. Donc, euh, voilà, je vois ce que. Classement, évidemment, c'est c'est sorti à Polytechnique. chaque année, régulièrement, ils font des classements des, des, des chercheurs, mettant au niveau mondial, international. Et il y a plusieurs critères pour ça, et donc, le plus important, c'est le, le nombre de fois que le chercheur a été cité, cité dans un autre article scientifique. Tu uh -huh. parlé les, les journalistes, hein, c'est vraiment dans des articles scientifiques. Uh -huh. Et au euh, enfin, euh, à Polytechnique Montréal, qui fait partie des grandes écoles, c'est la plus grande école de génie au Canada, uh -huh. euh, ils ont identifié 50 professeurs-chercheurs qui sont classés parmi les top-agings 2% au niveau mondial. Voilà. Euh, donc, mon euh, nom figure évidemment euh, là-dedans. Et. Euh, c'est une reconnaissance, en fait, dans le milieu, dans le domaine de la recherche. C'est très important, ce genre de, de classification, parce que les chercheurs, ils sont souvent sollicités ou ils, demandent, ils font des demandes de subventions. Et si, comme on dit là dans le jargon, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Tout à fait. Donc, voilà. c'est très important. En fait, de citer parce que connaît CUNI, notre but, on est financé par les contribuables, hein, les contribuables canadiens. Donc, il faut qu'on rende des comptes hein, aux recherches qu'on fait. Et, et la façon de rendre des comptes, c'est de publier les résultats de la recherche. Et les publier d'une façon euh, honnête aussi, parce qu'il y a des gens qui gribouillent des fois comme ça, mais avec, de, en respectant l'éthique et l'intégrité euh, du chercheur. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les carrières même de, surtout des jeunes professeurs là c'est le nombre de publications par année et c'est très important euh, c'est un critère la deuxième chose c'est euh, c'est la, la qualité aussi des journaux scientifiques où on publie parce que il y a des journaux où c'est très facile à publier ok mmh. mais il y a des journaux il y a une classification des journaux d'arna mmh. euh, les journaux scientifiques à Ging, euh, euh, il y a, euh, ça s'appelle le facteur d'impact donc euh, il, faut, il vaut mieux publier des fois un article, Bernard, dans une revue à grand impact. Vous avez la, la revue Nature, hein, Nature, c'est un facteur d'impact, mettons, presque 40, euh, c'est l'une des, des plus grands facteurs d'impact. Donc, c'est comme ça euh, que euh, c'est un indicateur, en fait, des, des, des performances des chercheurs. Voilà, en ce qu'on peut dire euh, là-dessus. Il ne suffit pas de publier et c'est le plus important, l'une des qualités, l'un des facteurs qui, qui montre la qualité des publications, c'est combien on est cité dans par ses compères, ses pairs. Et effectivement c'est dans ce sens là que Stanford University c'est euh, de Agimodaki le classement qui par rapport à combien on est cité dans le monde et puis Husseinia dans son domaine d'expertise le biomédical, il est cité parmi les, euh, les premiers au monde et hier, euh وقبل انشكي انو حسن كان انو سيداويه الحسين تقول يلدين en Masha, Masha, Al-Husin, Bratidiner Wakir, Kouvenakumasen, Emousnawunik Veliyen, Gumaval Tokhtun, Atentafod, dans plusieurs pays, c'est des professeurs d'université, ils ont réussi dans leur domaine de recherche, c'est ça. Masha, Al-Husin, Yahya, Ratidiner, parce que je parle en connaissance de cause, et parmi les rares, c'est si ce n'est pratiquement le... Ça se coupe sur le bout des doigts, un d'un...

Kélenach, déjà pour te répondre, peut-être pour aider un petit peu à, à me cerner avec Népalan, je suis un gémeau, un gémeau, donc il est Alors il est de Yehwan, est-ce qu'il a fait ça avec Il fait ça, 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 il il fait ça, il Donc, je n'ai pas beaucoup de difficultés à switcher d'une personne à l'autre, là, ça dépend des gens, il y en a qui disent qu'ils ont deux personnalités, les gémeaux dans la double face. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a cheminé avec moi très tôt. Si euh, justement, euh, peut-être euh, dans la présentation, dans un premier temps, je vais faire euh, résumer un petit peu mon itinéraire Tout à fait. pour comprendre cette, cette dualité entre Tuscany euh, et puis la euh, culture nord, l'enrichissement de notre culture aussi. Et euh, dans un deuxième temps, je parlerai un petit peu sur survol là, je ne vais pas vous embêter beaucoup sur les, la science, là, mais voilà un peu, je vais essayer de vulgariser un peu sur quoi on travaille, mais ce n'est pas évident des fois travailler Quand on rentre dans les domaines quand en profondeur scientifique, je n'ai pas l'habitude, de euh, que là, on ne le comprend pas parce qu'il y a un data français. Et j'ai réalisé qu'ils euh, ont sinistré notre pays, en fait, au niveau linguistique. Parce que, voilà, voilà, c'est ouais. pas que pour m'excuser, là, je, je, je sais, mais euh, l'exil n'a pas aidé les choses, mais aussi euh, l'école algérienne n'a pas non plus aidé, ne les a pas aidé. Parce ouais. que dans toutes les écoles du monde, les, les jeunes apprennent trois, quatre langues. Et d'autant plus leur langue, enfin la, la langue le français, qui est la langue de proximité nord. Ça fait partie pratiquement des langues algériennes, le français. Et comment se fait-il qu'en si peu de temps, ils ont réussi à les, à les abrutir au point qu'ils ne savent pas le français et encore moins l'anglais ou d'autres langues, alors que dans la plupart des pays, il ne faut que venir... نتزوقوا قرص فلان <سؤال> يا غرس سبعه يهضر سبعه يساول اه تاع احمد وشي باكي نهضر نهضر داك كي سي كوم اون غلوريفي سا العبد دي سترن تاع سي يساول ثو راهم غن يوث تمسلت يا مش تمسلت من دوريجين باش كل كل تسين كنت تمسلت الجزيره هاد تعرف داك وتسين غالو باسك ما تجي تمسلت لنا نك فغ بطات روزمون ومالوروزمون فغ دونك جي ايشابي ا سيت دوبل الياناسيون يسمور تندق Voilà, donc si tu peux ouais. partager en fait l'écran. Oui, euh, c'est partagé. Ben tu peux partager. OK, ça, euh, pour parler, euh, est, je vais vous parler un peu de recherche en, dans mon domaine, là, en génie biomédical. Mais comme j'ai dit là avant, je vais vous faire euh, un rappel euh, sur euh, mon itinéraire un petit peu atypique euh, parfois. Et puis, euh, les recherches je le euh, deuxième volet, c'est les recherches scientifiques, un survol. Des, des faits saillants, hein, des choses les plus importantes peut-être. Et puis après, on passera à la période de discussion. Donc, euh, d'abord, je suis, en fait, je viens à Knessarachedlang, de Frisnum Lille, là, la Confédération de Frisnum Lille. Euh, C'est euh, la commune euh, Tizernef. J'ai fait l'école primaire très tôt, en fait. Euh, je suis rentré à l'école primaire déjà d'une façon un peu anormale. Je suis rentré à l'âge de 5 ans à l'école des Rilles qu'on voit ici sur cette photo. En fait, c'est l'école en bas, là, un peu blanche, qui est une école, en fait, qui a été construite en 1898-99 par un colon, le premier colon qui est venu dans la région, qui s'appelle Couvignon. Donc, je suis rentré à 5 ans. Pourquoi Parce que... Euh, à l'époque, euh, mes, mes, mes cousins, mes frères et tout ça rentraient pour la première fois à l'école. Il faut dire que cette école-là, en, en bas de la petite forêt, là, euh, a été brûlée. A été brûlée en 56, ou par là, 55-56, par les, les, les maquisards de la région. Et ils l'ont reconstruite, les Français. Après, ils ont construit en même temps une caserne ici en haut là, de la colline qu'on appelle 636. Donc ils ont reconstruit l'école et c'était la rentrée 57, là, qu'ils l'ont réinaugurée. Et puis tous mes, mes cousins, tous les enfants du village allaient euh, rentrer, mais moi, je n'avais pas l'âge, j'avais 5 ans. Et puis, euh, j'étais un petit peu malheureux. Apparemment, je pleurais toute la journée, là, pour... Euh, pourquoi on ne me laisse pas rentrer à l'école Et euh, il a fallu l'intervention d'un oncle à moi, là, qui était, en fait... Mon oncle, il avait fait l'armée à l'époque. En, fait, en 1927, ici à gauche, on voit son certificat de bon conduite dans l'armée. Donc, il a amené ses, ses galants parce qu'il avait fait un service militaire, et euh, il a expliqué à l'instituteur de, de l'école, comme quoi, s'il peut m'admettre même comme une maternelle hein, s'asseoir, mais ne pas participer aux travaux. Parce que je dérangeais beaucoup la famille à la maison, je n'arrêtais pas de pleurer, etc. Et puis, il a fait une concession à l'instituteur de m'admettre une année à l'âge de 5 ans à cette école-là. Ça, c'est pour la petite histoire. Cette école a une historique, comme j'ai dit là, dans toute la région des iflis c'était la troisième école qu'ils ont inaugurée, le même colon, en fait, au Covignon. Et son arrière-petit-fils, qui est parmi ces élèves qu'on voit ici, euh, c'était avant qu'elle qu soit brûlée l'école la première fois, euh, c'était en 1951. Et euh, cette photo, c'est son petit-fils qui me l'a remis, euh, M. Doumerg, l'instituteur Doumerg, qui est décédé maintenant. Et euh, on le voit ici, Doumerg avec sa femme Mireille, euh, c'est des instituteurs très connus dans la commune de Tizernef euh, parce que c'était d'abord des bons euh, des enseignants, des, des instituteurs. Et puis, l'Oulin, l'Oulinissine des Tizerniv, il ne faut pas se euh, cacher, on verra bien, mais l'Oulin, Rolnard, en fait, 20-20 covignons est déjà Rolnard. Alors, on dit ça, dans la Kiev-Kiev. Ils sont restés, les Tizerniv, jusqu'aux années 70, par là, 74, je crois. Après, ils ont quitté. Ici, c'est dans leur maison à lambert euh, dans euh, là, en Alsace, où ils sont retournés euh, à, à la retraite jusqu'à leur, leur décès. Donc, euh, cette région, en fait, euh, c'est une région euh, le très, très. Euh, comment dire C'était un des fiefs de la guerre d'Algérie. C'est une région qui est pas loin d'Adiyah Moussa. On voit ici les hélicoptères de l'armée française à l'époque, là. Surtout les pitons euh, de, des collines avoisinantes là, et puis les forêts. On voit au fond la Batimzrid, et puis à droite c'est qui c'était vraiment des champs de bataille. C'est pas loin ici, c'est le fief de Krimbelkas, euh, de colonel Alibouna, etc. Donc la guerre a été très très dure ici, hein, dans cette région-là, et ça, va, ça a marqué comme ça a marqué toutes les jeunes de ma génération hein, de l'époque. Ici en particulier, je me rappelle très bien de cette bataille de Attiyah euh, Moussa, le 6 janvier 59, où euh, l'armée française avait essuyé euh, une énorme défaite. Euh, ici, ils ont euh, tué même le, un colonel, là, euh, Graziani, je me rappelle, c'était un, un Italien probablement. Ici, on voit à droite euh, colonel, euh, le commandant à l'Ibnor de mait la ville aux 1500 martyrs. Donc, euh, c'était, euh, comme je dis, cette bataille-là. Il avait fait rage et puis euh, euh, j'étais moi-même euh, à cette époque-là blessé. J'étais hospitalisé à l'hôpital de vers 58, 59 et j'ai vu des, des blessés graves, euh, on palme, des brûlés. On a des gens brûlés, en Apalme qui arrivaient à l'hôpital de Dalmésane euh, et j'étais très jeune, hein, j'avais à peine six ans, six ans et quelques et euh, je discutais avec les, les patients aussi. J'étais le plus jeune à l'hôpital. Alors tout le monde essayait de me chuchoter, me raconter des histoires, etc. Ça, c'est pour euh, la petite anecdote, mais ça, ça marque évidemment, euh, j'ai jamais pensé à, cette, à ce moment-là que la vie pouvait être autre chose que la guerre. Hein. On est né là-dedans euh, jusqu'à l'indépendance. En 1962, euh, alors c'était une galère, une petite euh, galère, parce que cette école-là n'avait plus d'enseignants, plus d'enseignants dans -Bon les rues de Alors... Euh, les Français étant partis, parce que c'était surtout des, des militaires français qui enseignaient. Ensuite, euh, il y avait, euh, euh, ils n'ont pas envoyé d'instituteurs de nouveau. Et donc, il était quasiment fermé. On a continué, euh, on a continué sur la lancée quand il y avait les, les Français là, à étudier. Et puis, on a fait euh, des études par correspondance. J'ai essayé par tous les moyens là, euh, après euh, euh, on a même défoncé, je me rappelle, encore une autre anecdote, l'école de Velbo-Marie avait une bibliothèque, je, on se rappelait qu'il y avait des très bons livres là-bas, très bien fournis, cette bibliothèque, mais elle était fermée, et on n'avait pas le choix, ce qu'on a fait avec des, des cousins, là, on a défoncé la porte de la bibliothèque, et on a pris tous les livres, pratiquement, qu'il y avait là-bas, pour continuer à étudier, nous-mêmes, à la maison, ou par correspondance. Ensuite, j'ai fait l'école primaire, en fait, on a essayé d'aller plus loin, là, à 6 km à, à pied. Euh, en plus, c'est des montagnes, hein. on descendait à pied. Euh, le matin, c'est une descente, mais le soir, il faut aller remonter 6 km plus haut. Donc, euh, c'était l'école primaire de Tizernif il les foyers des jeunes aussi que j'ai fréquentés. Et euh, pour remonter le soir, je me rappelle, là, on attendait des camions dans les virages qui remontaient chez nous. Et puis, on s'agrippait derrière les camions avec les gardiens de temps en temps. Ensuite, il y avait la guerre FFS, bin Billan. Ça a commencé tout de suite après, là, en 63. Et puis la région était, comme je vous dis, un fief déjà des anciens euh, Maquisards de, de Krimbelkassam en particulier. Et euh, euh, ils avaient repris les armes avec le FFS, évidemment. Et euh, là, l'armée de Ben Bella, mais là, on voyait, en fait, euh, on était envoyés à nouveau. C'est comme l'opération des jumelles, la France ça dont je parlais tout à l'heure. Là, la bataille de ça. Il y a eu beaucoup de, de j'ai je, je, je pas les détails ici là, mais ça, les gens ont souffert aussi de ce conflit là euh, dans la région. 64, Huff, ils ont envoyer un, un, un nouvel ah, instituteur il divers, à Reims, qui s'appelle Bombral, d'ailleurs il est <Mario> Alors, c de Tizernef et c'est lui qui qui nous a admis. On était en fait, on était de cinq, je me rappelle cinq élèves avec cinq camarades là. Qu'on a dépassé l'âge pour cette école primaire, là, mais euh, euh, il nous a fait une exception, il nous a donné des cours à côté comme ça, et il nous a promis de nous présenter comme des candidats libres à l'examen d'entrée en sixième. Comme quoi, on a failli passer à côté complètement, parce que j'avais plein d'amis, de, de, de copains, de camarades qui n'ont pas pu euh, par la suite continuer leurs études, parce que c'était trop tard, il y avait un gâteau là euh, entre l'indépendance et. Euh, 64, là, que le, les élèves, ils ont abandonné complètement l'école. Donc, euh, grâce à ce bon ras, on a travaillé, je pense qu'on était une dizaine à présenter, à préparer le concours. C'était un concours euh, exceptionnel. Euh, je ne sais pas, l'Académie avait accordé un, euh, une dérogation pour qu'on se présente comme candidat libre. Et euh, sur euh, le nombre qu'on s'est présenté, il y a eu cinq qui ont réussi. Et par la suite, ils allaient devenir tous, si vous voulez, des pionniers. Dans toute la région des iflis parce qu'il y a un, il s'appelle Dr. Galez Achour, un ami, et en plus vraiment voisin du, du, du village. Euh, il est devenu le médecin, le Dr. Galez, qui est connu dans Tizernif de l'Almizan où il a exercé jusqu'à tout récemment. Il y en a un autre, je n'ai pas suivi son itinéraire, mais on me dit qu'il était général. Après, maintenant, il est à la retraite. Il y avait une autre Mujdoubdouhar qui était de devenir un cadre chez ER Algérie. Puis il y avait une autre, je ne me rappelle pas le nom. Donc, on a passé, comme je dis, de justesse plus loin, parce qu'il y avait aussi ce conflit-là qui a dû dérégler les choses, l'armée des frontières contre les rebelles de Kabylie, euh, si vous vous rappelez. Ensuite, je suis on est rentré donc euh, au collège, on a euh, réussi la sixième, et puis euh, j'ai fait le collège de Draal-Mizen, de euh, 65-69, et c'était l'internat, parce que Draal-Mizen, euh, là où j'habite, c'est pas loin pour faire ça le matin et le soir, il n'y avait pas de transport scolaire à l'époque, il n'y avait rien. Euh, donc, euh, j'ai fait l'internat. Et euh, le niveau actuel, euh, à cette époque-là était très élevé, si on compare à maintenant. Hein, on avait des enseignants, certains français encore, parce qu'il y en avait qui étaient restés après l'indépendance, hein, comme, euh, euh, je me rappelle, Champagnac, en particulier, c'était le directeur du collège. C'est un français, mais et, et il y avait un frère aussi qui était instituteur à village à Aumar. Et c'est des, des français, mais qui ont euh, milité pour l'indépendance de l'Algérie. Hein, ils, ils connaissaient tous les maquisards, les connaissaient. Donc, ils sont restés, il y avait un autre coopérant, le professeur de géographie, etc. Mais c'était aussi le début de la dictature de Boumdien en 1965. Donc, ça aussi, on en a, on en a euh, soupé, si vous voulez, là. on a été impacté, que ce soit à l'école, que ce soit partout, la dictature de, de, de Boumdien. Il y avait aussi les événements de mai 68. Comme on avait des enseignants en français, on était connectés euh, sans Internet, là, mais on, était, on savait ce qui se passait aussi en France, euh, mai 68. Et puis aussi, euh, il y avait les, les, les débuts là, euh, des écrits, comme Wolf Frauen. Il y avait, je me rappelle, les poèmes il a édité un petit fascicule de poésie qui circulait au collège déjà. Et puis, on, on commençait à trouver ça intéressant de lire. En Kabyle, hein, euh, puis la traduction, euh, c'était une édition euh, bilingue, euh, il y avait la traduction en français à côté, et puis c'est comme ça, je dirais, c'est les premiers balbutiements de Mazerte, de Zakhvaydith, euh, chez moi en tout cas. Évidemment, euh, je revenais tous les week-ends dans le village, donc euh, on a aussi été abreuvé, ça vous allez comprendre un peu plus tard euh, de quoi je parle là, par exemple, le respect par rapport aux anciens. Ici, on voit le petit vieux ici. c'est sur C'est C'est la moussina. C'est des de En fait, c'est un je dirais. de' tas Là, on avec tous les élèves ici dans la place du village, ça s'appelle Terre est en train de nous raconter sans doute ses mémoires, en fait, ses souvenirs. Et qu'on laisse l'histoire de la région sur le bout des doigts, en particulier, en particulier, l'histoire de Grim al parce qu'il était aussi dans les années 45 un Garde du corps, le garde du corps de Hamal Shir. Donc on sait que c'est un membre de Shir. Euh, c'est un Galès justement, un Galès qui a pris le maquis en même temps que Krim kassem Mais je dirais même que c'est lui qui a enrôlé Krim kassem et Ali et d'autres dans la résistance à l'époque là, dans les années 44-45 quand ils ont pris le premier maquis dans la région. Et donc il avait plein d'histoires sur Krim kassem qu'il nous racontait. Il n'y a pas comme le Qassoum, par exemple, le etc. il nous larguait en même temps avec tout ce, ce cheminement qu'il avait aussi à son tour, là, durant toute, euh, avant la guerre, depuis 1944 jusqu'à jusqu l'indépendance pratiquement, il a, il a toujours euh, milité euh, à Mevlaïd dans la région. Donc après 69, on a passé le brevet, euh, comment on appelle ça, le BEPC à l'époque, euh, donc la, la fin du collège, et puis euh, pour être admissible dans un lycée, il fallait passer sa, ce diplôme-là, hein, ce, ce concours, que j'ai réussi donc en 69, et puis euh, j'ai continué au lycée technique d'État Delis. Euh, à l'époque, c'était difficile pour entrer à Delis, c'est sur dossier. Il fallait être bon en mathématiques, euh, certaines matières là, en physique pour pouvoir euh, y accéder. Mais là, ça a créé une petite parenthèse, là, une crise aussi euh, qui aurait pu me coûter euh, cher aussi d'arrêter mes études parce qu'à l'époque, mon père était émigré, mais il est revenu, euh, il commençait à revenir au pays. Et puis, euh, il voulait évidemment, il avait un autre plan pour moi euh, se marier ou aller travailler, etc. Pour, parce que pour lui, comme je vous ai dit, on est les pionniers. Hein. Jamais quelqu'un n'a passé le BEPC. À l'époque, à son âge, c'était le certificat d'études primaires. Et puis, ils arrêtaient là. Les Français, en fait, ne permettaient pas à la population algérienne de continuer les études après le, le certificat d'études primaires. Donc, ils ne connaissent pas ce que c'est que les études, même au collégial, ni au, au niveau du lycée, et encore moins à l'université. Donc, ça. Il a fallu aussi, là, encore une fois, l'intervention de mon oncle qui euh, avait aussi un certificat d'études, euh, parce qu'il demandait, je pense, c'était un, un internat aussi. Donc, euh, il y avait une question peut-être d'argent aussi. Mon oncle, il a dit qu'il n'y a pas de question, qu'il est prêt à financer et que je ne dois pas arrêter les études. Et puis, il m'a encouragé là. Donc, euh, je suis rentré au lycée de voilà que vous voyez ici. Euh, Delice sur bord de la mer. Hein, ceux qui connaissent pas, le lycée était ici. Ça c'est le vieux phare de, de Delice. Et puis on voit ici le lycée sur le côté. Euh, le centre-ville est plutôt parlant. Et ça c'est une photo d'époque euh, vous pourrez voir là, avec quelques amis euh, qui ont fait le lycée de Delice. Ce lycée est vraiment euh, une école aussi très importante. C'était le quatrième lycée euh, au niveau de l'Algérie. Euh, en termes de réputation. Euh, donc, euh, c'est un lycée technique, c'était un internat, il y avait un règlement qui, était, qui datait déjà de, de l'époque euh, coloniale, euh, c'était les enfants de colons surtout qui étudiaient ici. Et euh, quand je suis rentré, donc, en 69, euh, c'était la promotion qu'on appelait la promotion Che Guevara. Pourquoi Parce que Che Guevara, il s'est rendu en Algérie, il est venu à cette époque-là, euh, en Kabylie, on a rencontré le colonel Mohandul Hajj euh, quand il y avait la, après l'indépendance. Donc, on a été un peu marqué aussi par euh, toutes les chansons de Che Guevara à l'époque, etc. Donc, on chantait au lycée, c'était notre hymne aussi de la promotion. Donc, on a appelé cette promotion-là Che Guevara. Mais les enseignants, les profs, étaient, la plupart, c'était des Russes. C'était le début de la coopération avec euh, la Russie qui voulait. Euh, en fait, c'était dans la guerre froide hein, pour. Euh, que l'Algérie opte pour le socialisme russe. Donc, ils avaient, on avait des profs d'exception de, euh, parce qu'à l'époque, on ne savait pas, mais je l'ai réalisé bien plus tard, que c'était les meilleurs professeurs russes, c'était tous des membres de l'Académie des sciences, et qu'ils envoyaient en coopération parce que ça leur faisait une petite break, une petite vacances de coopération, parce que la plupart venaient à l'époque soit de Sibérie, soit de Novosibirsk, etc. J'ai gardé contact avec quelques-uns que j'ai revus dans les années 90. et certains, euh, on, on a collaboré par la suite même. Donc, euh, leur, ils, ils avaient un très bon enseignement en fait. Les méthodes, ils, avaient, ils étaient calibrés. En fait, ils étaient d'un fort calibre, même s'ils avaient quelques difficultés en français au départ, mais euh, très vite ils se, ils se rattrapaient. C'était aussi la, cette période-là de découverte de l'Académie berbère hein, à Paris. Euh, on commençait à prendre contact parce que n'oubliez pas, on est toujours sous la dictature de, de Boumediene, là où il, a, euh, il sévissait contre euh, les Kabyles, contre la Et on a commencé à, à apprendre la clandestinement et, au lycée, mais le jour de sortie, le jeudi après-midi, on allait, je me rappelle, à la forêt de Bois-Arbin, derrière Delis, et, euh, pour ne pas être euh, surpris parce qu'il y avait partout. On a été presque paranoïaques. Il y avait la sécurité militaire partout à euh, notre route, là. Euh, donc, on faisait attention. Et euh, c'est là aussi que j'ai découvert les Ores, paradoxalement, parce qu'on a organisé un voyage avec Haroun Mohamed, que connaissent certains. Enfin, que tous les kabyles sont censés euh, le de, de connaître, là. Haroun euh, Mohamed, celui qui a laissé sur le filon, qui était condamné à perpétuité par la suite. Euh, on a fait un voyage, en fait, culturel, pratiquement, pour découvrir les images de Mzab. Euh, je me rappelle, on était... Euh, on était du côté de Harris, on était à Marwana, on était à Bellemza, voilà, Blizma, Timgad, etc. Donc, ça nous a maturé encore plus sur nos convictions, parce qu'on a commencé aussi à réfléchir sur notre condition, sur la langue kabyle, etc. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, mais je vais y revenir à un moment donné sur l'historique de ça. Mais euh, un événement qui, a mar... qui nous a marqué aussi, c'est qu'on a déclenché la première grève de la dictature militaire algérienne, euh, première grève illégale, qu'on a défié le gouvernement sur cette question, justement, linguistique, euh, sur la langue kabyle, euh, etc. Et euh, c'est ça qui allait euh, déclic, si vous voulez, qui allait pour la suite aboutir probablement aux événements d'avril 80 euh, en Tézouzou. Et j'ai je, je, connu aussi les jeunes travailleurs volontaires algériens. Ça m'a permis de voyager un peu, d'aller à Nabam, on construisait des écoles, etc. Et de côtoyer surtout des volontaires étrangers. À l'époque, j'étais là, c'était international. Et il y avait des gens qui venaient de Suisse, de Belgique, etc., que j'ai connus là-dedans, et peut-être qui ont exercé sur moi un certain effet d'attraction pour aller vers l'étranger après le lycée de Delice. Mais il y avait d'autres raisons bien plus profondes aussi qui m'ont fait partir. Voilà donc chez Guevaran en Kabylie, avec le côté du colonel Mohamedou Lhaj, dont je vous ai dit que c'est le nom de la promotion. Jusqu'à 72, euh, fait puis j'ai quitté. Pour euh, la petite anecdote, c'est que, étant, étant dans le club de musique de du lycée de la promotion, j'étais pas mal impliqué aussi dans la prise de conscience des gens. Et là, on était expulsé du lycée il y a un mois et demi à peu près, avant l'examen du bac. Je faisais partie d'une liste d'expulsables du lycée. Et puis, on a été récupéré de justesse parce que parmi mes, mes copains, euh, agitateurs, si vous voulez, il y avait le fils d'un commandant de gendarmerie du Grand Alger, le commandant Lebkiri. Euh, donc... Euh, il est venu, de, parce que les parents avaient reçu à l'époque un télégramme en disant « Venez chercher votre fils ». Il pensait que son fils était mort. Il est venu euh, à toute vitesse, à délice. Et puis, il a découvert que ce n'était pas ça. C'était à cause de, de cette agitation autour de la question Kabyle. Lui-même, c'est un arabe au fond d'Alger, je ne sais pas des temps passant. Et son fils était le président de la promotion chez Che Guevara, justement. Et euh, il a forcé le lycée à réintégrer tous, tous les élèves. C'est comme ça qu'on a passé le bac parce qu'on aurait pu aussi ne pas passer le baccalauréat et plus d'études par la suite. C'est pour ça que je raconte ça. Et son fils maintenant, d'ailleurs, le petit est en Allemagne. Lui-même, il a quitté l'Algérie par la suite. Donc, résultat des, des courses, c'est qu'on nous a fermé les portes à l'époque à l'université. Hein. Ils ont donné l'ordre, bon, c'était complet. Et le plan machiavélique du pouvoir, ils voulaient nous enrôler dans l'armée pour nous, nous mettre une balle dans le dos, probablement, euh, ce qu'ils ont fait à certains euh, amis infortunés là, qui sont restés, qui n'ont pas pu euh, euh, partir, euh, quitter l'Algérie. Euh, en particulier pendant la bataille de Amgalla, au Sahara occidental, en 1975, où j'ai perdu deux de mes amis qui ont été tirés dans le dos par l'armée algérienne, probablement sans récupérer leur, leur corps par la suite. Donc, euh, je... J'ai débarqué en ce qui concerne à Montluçon, en France, avec euh, des amis aussi, euh, deux ou trois amis euh, à l'époque, pour euh, s'inscrire, en fait, on s'est inscrit dans, ce n'est pas une université, c'est un institut, euh, comment ils appellent ça, là, un, euh, un IUT, un institut universitaire de technologie de Montluçon, en plein euh, centre de la France, en Auvergne, là, en plein Auvergnan, un coin perdu, il n'y avait pas, il y avait un IUT, mais il y avait pas assez d'étudiants. Donc, ils nous ont acceptés, je dirais, facilement. On est rentré là, on a fait un DUT, ça s'appelle, diplôme d'études de, de universitaires. DUT, je ne me rappelle pas le, le, le terme exact, là. mais, anyway, deux ans, on avait ce diplôme-là. C'est comme un peu technicien supérieur. Et puis, euh, cette période-là, évidemment, de 72 à 74, euh, ça m'a permis, en parallèle, comme disait Rachid tout à l'heure, du point de vue culturel, qu'est-ce que j'ai fait J'ai découvert d'abord l'Académie berbère parce que j'étais membre sans avoir mis les pieds. Donc j'y étais. J'ai rencontré, je suis devenu membre de l'Académie berbère. J'ai rencontré Amar, Amar C'était qui avait à l'époque une librairie à Paris. Il lui, il est originaire de Marwana, justement. Et il travaillait déjà à l'époque sur le calendrier, calendrier Et Ibn Khaldun, évidemment, ça, Ibn Khaldun, je me rappelle d'avoir travaillé le premier été que j'étais à Montluçon. J'ai fait un job d'été, j'avais un peu d'argent. Je suis allé à Paris, je tombe sur la série d'Ibn Khaldun, l'histoire des Berbères. Quatre volumes. Euh, à l'époque, ça coûtait très cher. Je me suis payé les quatre volumes d'Ibn Khaldun, et un peu plus tard, j'ai acheté le Mokadiman aussi. Donc, ça m'a permis de découvrir encore plus l'histoire des Amazirs, des, des Berbères. Et à Maroc, aussi, euh, il avait une association qui s'appelait l'Union du peuple Amazir. Donc, je suis rentré aussi dans cette association. Et aussi, c'était la période où je découvrais les autres Amazirs d'Afrique du Nord, en particulier du sud marocain, et ceci. Parce que dans l'école. Où j'étais, en fait, il y avait des soucis, justement, des berbères du Sud marocain et du Rif aussi. Ça, euh, en discutant avec eux, je les entendais parler. J'ai vu que c'était, je comprenais euh, pas tout, mais peut-être à 60-65% à l'époque. Après, euh, on, a, on a discuté, on a fait des échanges avec eux. Euh, donc, j'ai découvert l'importance aussi de Tamazight ton Maroc, dans le Sud marocain et dans le Rif. Et aussi, j'ai côtoyé aussi pour la première fois de ma vie des Arabes, des vrais Arabes. Par exemple, un Saoudien qui, est, euh, qui faisait des études, il est venu apprendre le français parce qu'il parle juste l'arabe et l'anglais. Et puis, je, je, il était très généreux, il était riche. Nous, on n'avait même pas de bourse à l'époque, donc il nous payait des tas de choses, euh, ce, ce Saoudien. Et en même temps, discuter avec lui euh, pour découvrir ce J'étais curieux de savoir ce que pense un arabe d'Arabie saoudite là, sur les, les Cabines, sur les Amazirs. Et puis, m'a agréablement surprise Galant, euh, c'est que pour eux, il n'y a aucun doute, à, à l'époque déjà, je parle de que dans la tête des Saoudiens, ou du moins ceux qui ont étudié, il n'y avait aucun doute qu'on était différent, qu'on n'était pas des Arabes, qu'on est des Amazirs. Et lui, il connaît l'histoire sur le bout des doigts. Et puis, quand je vire de bord, je m'adresse à des Arabes au fond algériens déjà à l'époque. Eux, ils disent non, non, on est des Arabes, etc. Alors que d'une façon précoce, j'étais, si vous voulez, mis au parfum, qu'on n'a rien à voir avec les Arabes. Ensuite, 74, là aussi, c'est un autre cheminement difficile. Vous voyez un peu les embûches euh, par rapport à l'anecdote que je voulais raconter, petite anecdote, je vais la dire maintenant. C'est que euh, il n'y a pas longtemps, peut-être une quinzaine d'années, je reçois une étudiante euh, euh, algérienne, il travaille à tout ça, dans Montréal, dans Je ne sais pas, M. Dardenne, c'est un professeur, il sera dans mon institution polytechnique, parce qu'il a été dans euh, il a donné une conférence. Et quand il est arrivé ici, euh, au bout de quelques mois, deux, trois mois, tout dans ça ne l'intéresse pas, elle n'arrive pas à suivre avec le prof. Puis elle cherchait un autre projet. Donc moi, je ne la connaissais pas, ni d'Adam, ni Elle rentre dans mon bureau, comme ça je laisse ma, ma porte ouverte, euh, généralement pour me, mes propres étudiants, pour m en, m en, m en demander quelque chose. Et elle est rentrée comme une... Euh, je ne sais pas, c'est comme si elle me connaissait. Elle est rentrée sans frapper à la porte. Et puis elle voit... Euh, Derrière moi, il y avait une baie vitrée là, euh, qui donne sur la ville de Montréal. Donc, on est sur une colline, donc on a une vue panoramique imprenable. Alors, il prit la rôle. Il a dit Waouh un bon bureau. Au début, je pensais que je la connaissais, mais là, je vois que je ne la connais pas du tout. Mais vous êtes qui Qui vous a permis de rentrer dans mon bureau Et puis. Euh, pourquoi il Pourquoi tu m'insultes en plus comme ça Non, je ne pas insulté. Mais quoi je traduis textuellement ce que tu as en arabe. Là. Tu as de la chance, on t'a donné un bon bureau, n'est-ce pas Mais Ça veut dire que je suis là par hasard. Je n'ai aucun mérite. Ce qui fait que euh, si je suis là, c'est parce que j'ai de la chance. J'ai eu de la chance. Ou les gens sont généreux, on t'a donné mais jusqu'à quand la mentalité dit archaïque algérienne, là, où il pense que tout est dû, parce que dans, dans sa tête, dans son culture, dans l'éducation qu'ils ont donné en Algérie, à ces générations-là, c'est que euh, les gens qui ont malheureusement euh, accédé à des postes réussis, c'est généralement par, par piston, on sait ça, par reconnaissance. Donc il faut avoir un, un coup de chance ou quelqu'un de généreux pour te placer. Donc, euh, j'ai dit, tu t'es trompé royalement là, Moi, je ne vais pas te raconter ma vie, mais j'ai dit, d'ici deux ans, trois ans, quand tu vas vivre ici au Canada, tu reviendras me voir, me dire si ça existe la chance et, ou la générosité. Okay Donc, euh, ce concours-là, en fait, pour rentrer de Montluçon maintenant dans une école d'ingénieurs, euh, on rentre pas facilement non plus, et c'était un autre concours, un concours, c'est-à-dire qu'on était mille et ils avaient une liste 150 à prendre sur 1000. Donc euh, là, effectivement, peut-être c'est un coup de chance, hein, j'en sais rien. Peut-être la raison l'a fait, mais en tout cas, on a travaillé dur, je peux vous le dire là. J'étais avec un copain qui s'appelle euh, local, Mohamed, Bakdine, et la Baha. ils d'Arabah. On était tous dans la même galère. Euh, on a travaillé comme des dingues, parce qu'on était, on doit travailler pour euh, avoir de l'argent. Parce qu'on n'avait pas de bourse. Et puis là, dans l'année, il faut, il, faut, il faut suivre aussi, s'accrocher aux études. Et, euh, euh, donc, et le concours était en septembre. Donc, soit on, trava on travaille pour payer nos études, là, ou on prépare le concours. Alors, on n'avait pas le choix de faire les deux. Donc, la journée, je me rappelle, on travaillait. Et puis le soir, on essayait d'étudier jusqu'à 1h, heure, 2h du matin. On était crevé claqués. Et les jobs, je peux vous dire, là aussi, ça mérite d'écrire un roman. Hein. C'est des jobs, les Français, vous savez, on n'avait pas à l'époque l'autorisation de travailler comme étudiants. Ce n'est pas comme maintenant, ils tolèrent un certain nombre d'heures. Et on a travaillé dans des postes dangereux que personne ne pouvait faire, comme les centrales nucléaires d'Ampierre. Je me rappelle, on travaillait, nous donnait un, un stylo comme ça qui indique la radioactivité. Et à chaque fin de la journée, on pointait, on regardait combien de radioactivité on avait. Si on dépassait un certain seuil, il nous il nous arrêtait là. Donc, euh, peut-être on a été contaminés. Hein, on a travaillé à Langouille, en déplacement. On, faisait des... on a fait toutes les jobs là pour, en quelque sorte, euh, se payer les études. Et on a réussi, euh, évidemment, à rendre le concours. Et euh, j'ai fait l'école d'ingénieurs, donc ça s'appelle l'école d'ingénieurs universitaire d'ingénieurs d'Orléans. Euh, j'ai. Euh, fait mécanique, mécanique option euh, véhicule terrestre et aérospatial. Euh, donc, c'est là que j'ai fait le euh, diplôme d'ingénieur avant de continuer maintenant euh, au niveau doctoral à, à Compiègne, Université de technologie de Compiègne, 77-79. Euh, là aussi, j'ai quelques souvenirs, mais euh, euh, en fait, euh, je vais pointer surtout Samuel qui est psychothérapeute. Parce que les études, ben, si là j'ai fait euh, j'ai entamé en fait, euh, j'ai fait un doctorat en biomédical, mais j'ai commencé un autre que j'ai pas terminé avec Comollet à Paris euh, sur la mécanique aussi. Donc, euh, mais par la suite, j'ai terminé ici à Montréal le deuxième doctorat euh, que j'avais commencé là-bas en parallèle. Donc, euh, dans le domaine de Guinard, en fait, euh, pourquoi je vous parle de sa mère euh, Là, c'est Mme Elle est à la retraite maintenant. C'est un psychothérapeute. Je l'ai connu dans ces années-là, vous voyez, à 77, à 79, et euh, il m'a expliqué quelque chose qui reste valable jusqu'à aujourd'hui et qui m'a travaillé au cours des années. Parce qu'à l'époque, j'ai cherché à comprendre. Je, je vous ai dit que j'ai connu un Saoudien qui dit qu'on est des Amazirs euh, à Montluçon. Et puis les Algériens, les arabophones, ils ne veulent rien savoir. Alors j'ai beau leur expliquer, je me, on s'est usé à leur expliquer. Hein, je, je saute un peu rapide là, hein? mais quand j'ai rencontré Sam, en tant que psychothérapeute, il s'y connaît pas mal en psychologie, et il m'a expliqué au cours des, des, des années là, pendant trois ans, on se voyait, on a travaillé ensemble, on a collaboré en fait, comme ça, dans des associations, et il m'a expliqué que cela relève de la psychologie, de la psychanalyse, et euh, je veux Peut-être euh, revenir dans la question, la euh, période des questions, si vous voulez. Ce que j'ai compris, c'est que les gens qui renient jusqu'à aujourd'hui, qui, euh, euh, qui renient leur origine, leur amazirité, leur, la langue euh, amazir, etc., en fait, c'est un, une aliénation. C'est des gens qui ont refoulé, c'est une question de refoulement de leurs identités, de leur origine, de leur histoire. Et puis, euh, quand quelqu'un, maintenant, quelque chose de refoulé, quand si elle vient à réapparaître, on a dit des sifflés, au cours des siècles, on a dit des sifflés au grand jour, c'est traumatisant. C'est traumatisant pour le sujet aliéné. C'est-à-dire, il va être détruit. Alors, pour se défendre, c'est comme un mécanisme de défense du cerveau. Pour se défendre contre cette réalité, ah eh ben il va la dénier, ce qu'on appelle le déni de la réalité. Et c'est ça qui est jusqu'à aujourd'hui, euh, je pourrais en revenir dans la discussion si vous voulez, j'ai plein d'exemples. Euh, c'est ça qui est, qui est en jeu, y compris dans ce que vous entendez ces jours-ci, là, euh, zéro cab, exterminer les cab, les bombarder chimiquement, etc. Ça relève du déni, c'est une conséquence du déni de la réalité qui aboutit à un rejet. Et le rejet peut conduire au meurtre, peut conduire à, à faire disparaître cette chose qui te traumatise, qui te, qui te fait réapparaître quelque chose qui est refoulé au cours des, des, des années ou des siècles. Voilà, grosso modo. Donc, euh, je tenais à lui rendre hommage à là, lui faire un clin d'œil, parce que j'ai compris depuis, évidemment, j'ai approfondi la chose. On est maintenant dans les neurosciences pratiquement pour comprendre ça. Et je aussi un message pour vous tous, c'est de maintenant que je suis convaincu, que le c'est politique, mais c'est la matériel, c'est c'est, des troubles, c'est atteint voilà des troubles psychologiques, des troubles psychologiques doublés de misère intellectuelle évidemment. Voilà ce que l'on souffre. La, la population algérienne en général, kabyle et même nord-africaine sous Après, Combien, donc c'est Montréal, c'est un concours de circonstances tout à fait. Il dit Bonneur En fait, à l'époque à Bruxelles, et puis pour une conférence, je faisais un doctorat à Combien, et j'ai rencontré un Belge, Pierre Thierry qui était venu à ce congrès-là, on discutait, il a vu le travail que je faisais. À l'époque, il dit continuer avec lui. Il m'a fait une publicité. Il dit, écoute, si tu veux, pourquoi tu ne viens pas à Montréal, à Il m'a convaincu en quelque sorte. Là, Je croyais, mais en même temps, j'hésitais un peu parce que il y dit que j'allais aller mais il a réussi quand même à me faire venir. Il vient pour une période de six mois, et puis moi, j'ai vu le hal Donc je suis venu pour une période d'essai, si vous voulez, là pour six mois. Et puis je suis jamais retourné en France évidemment. Pour la petite histoire, j'ai abandonné même mes affaires vénères, la voiture car si on un étudiant qui n'avait pas de bourse musquée, donc je suis jamais retourné là-bas. Montréal. Donc au niveau des études, comme comme un, un, un deuxième doctorat. À l'époque, en génie mécanique, et ensuite euh, j'ai euh, continué donc les, les recherches euh, après le, le doctorat. En fait, quatre ans jusqu'au 84. Il faut encore le doctorat de, à Polytechnique Montréal. Et de point de vue euh, culture, c'est là que euh, j'avais, j'étais parmi les fondateurs du premier club bimazilan de Montréal de 81-87. Pourquoi club Parce que n'a rien et les associations, l'une qui un itinéraire d'associatifs et français et les associations malheureusement malheureusement les associations à but lucratif c'est pas ça change pas le monde ok on y reviendra dans les discussions si vous voulez donc d'où l'idée de changer carrément de mode d'organisation donc on a parti ça comme un club Imaziran, Imaziran, parce que ce n'était pas juste des Kabé, hein, c'était à l'époque, il y a les a les Tunisiens, les Libyens, les Nigériens, les Touaregs. Donc, on a un autre actif, un congrès annuel qu'on appelait Al-Muggar Nimaziran. Et puis, on a publié pendant toutes ces années une revue qui s'appelle Il dit, La Fronde. Et aussi, un autre actif, on a organisé, en fait, on a fait partie du congrès des radios libres de Trois-Rivières, euh, autour des années 84, je pense, où on a invité, à l'époque, ils, ils venaient juste de démarrer, là, ils étaient en train de faire leur dossier, je m'excuse, c'était en vers 82, euh, FM, Gazelle, Très d'Union, on les a invités parce qu'ils étaient mis au, au parfum par des amis qui avaient à ce congrès-là et, et que eux... À l'époque, en France, avec Mitterrand, il donnait l'autorisation de monter des dossiers, enfin des plans d'affaires pour faire des, des radios libres. Et puis, on les a invités, dont un, peut-être pas d'Isma, c'est c'est Marseille, avec qui j'ai démarré, je démarre actuellement aussi, et d'autres, le réseau dire européen. Donc, Marseille était venu pour la radio Gazelle de Marseille. Et puis, hommes et femmes, il y avait Nassarctane, il y avait, avait, avait d'autres au mondes là. Uh, très d'Union, c'est la radio de Lyon par la suite. Donc, uh, voilà un peu ce qu'on a fait uh, très brièvement. Et on a célébré aussi Neyer. Hein, C'était à cette époque-là, aux années 80. Donc, ça remonte les premières célébrations de d'année en année ici à Montréal. Donc, vous calculez combien d'années. Ça, c'est le premier magazine justement. Il dit La fronde, à, à Mazir. Au Canada, qui était publié en 1985. Et on a fait d'autres numéros par la suite, là, que vous pourrez trouver à la Bibliothèque nationale du Québec ou du Canada. Par la suite, évidemment, ça m'a donné le goût, ces radios libres, là. J'ai continué, depuis cette période-là, à faire des chroniques radiophoniques au cours des années. J'ai collaboré à plusieurs radios, là, quelques-unes pour les citer, là. Radio TWZ de Paris avec Al-Skhahamba, mais il y a Radio Beurre, émission culturelle avec Macharbe. Radio Canal Sombre à Venoua avec Hamid Lamara, Radio Kabila à Montréal avec Jamila Adar, Radio Pays de 2005 à 2012, Radio Pastel actuellement de 2016, et ça continue. Voilà, ça c'est pour les radios. Après, euh, Club Imazéren, on a créé un autre club, euh, toujours club, hein, pas association, Club Averroës. 87-93, ça c'est publication aussi des chroniques d'Averroës, célébration du printemps Amazir réseau Amazirnet Net, là, maintenant du club, maintenant on a switché, on, on a embarqué sur des réseaux déjà. Dans les années 90, on a démarré ici en Amérique du Nord, là, avec d'autres, hein, j'étais membre d'Amazirnet Net, du premier réseau Amazir ou Kabyle, là, en Amérique du Nord. Et c'est là aussi que j'ai connu, sur le côté sur lequel euh, on peut y revenir. Euh, euh, Al-Hussein. Al oui, Al-Hussein. Juste pour te rappeler, j'étais membre de MSZRNet, c'est un peu l'équivalent de Facebook d'aujourd'hui. Voilà, voilà, tout à fait. Mais ça nous a permis de faire d'excellents échanges et d'excellentes rencontres. C'est là qu'on a connu, par exemple, Vermondo Broniatilli. Vermondo, qui est un linguiste italien, jusqu'à maintenant, il est professeur, maintenant, Israël à Il est très impliqué, même en Libye, il parle. Enfin, c'est tout un monument vers mon C'est là qu'on l'a, on l'a découvert, mais aussi on l'a motivé en quelque sorte. On y reviendra. Mais on l'a connu d'autres mondes en Europe aussi. Il y a Ramzan Laromandouarès, c'est un poète. Il y a, il y a plein de, de mondes euh, à cette époque-là. Donc, sur Madeleine, c'est une chrétienne. Qui a, en fait, euh, c'est une canadienne, c'est une québécoise qui, a vécu une trentaine d'années, en Kabylie pendant la guerre d'Algérie, et puis elle est revenue ici. On l'a connue, on l'a. Euh, en fait. Euh, je l'ai connu par hasard à Ottawa, et puis on l'a intégré dans le club Averroës, et puis tout le monde a fini par la communauté, la diaspora kabyle du Canada euh, l'a connu, parce qu'il avait des témoignages de première main à nous livrer, et puis euh, on a profité un petit peu de, ce, de son témoignage que Dieu est son âme, et puis il a aussi sur Sicilia, hein, etc. Donc c'était euh, le club averrois je peux parler déjà en une heure sur ça, là, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, là. Mais on a eu, je pense, un impact assez important jusqu'à maintenant. Les gens en parlent à Montréal. Ça, c'est la sœur Madeleine justement côté. C'était dans les premières années qu'on l'a rencontré. Ici, c'est lors d'une conférence d'Aveyron. Là, je pense, c'était Celui qui parlait, c'était la Valéade. Le même qui est toujours à Lyon. Là, professeur en sociologie politique, etc. Dans 94-2001. On a continué avec le réseau Amazir, les radios, la poésie. Et ici, là, je me suis fait euh, pas mis en berne là, mais parce qu'il y a une période ici la décennie noire en Algérie. Il y a eu l'émigration aussi qui a changé. On a commencé à voir débarquer ici toutes sortes de monde là d'Algérie. Euh, certains c'était des, des islamistes, d'autres je ne sais pas. Euh, donc j'ai volontairement une espèce de petite euh, retraite tout en restant alerte avec les réseaux Amazirnet toujours connecté les radios je faisais toujours mes chroniques et je fais toujours de la poésie là surtout quand je me déplace pour des travaux et j'ai essayé de me concentrer un peu sur mes recherches et concilier aussi le travail avec la, avec la famille ce qui n'est pas toujours évident voilà le journal, un des journaux un des numéros je dirais là celui-là c'est plus récent là 2005 de Amazirnet là en fait qui a euh, Créé le journal Amazir Voice. Hein, j'ai publié plusieurs euh, poèmes ou articles là-dedans. Là Ensuite, euh, comme je vous ai dit, virer vers la science biomédicale, hein, c'était une période assez intense. J'ai pris l'année sabbatique aussi. Euh, j'ai été invité par les Suisses. Hein. C'est un premier impact que j'ai eu dans mes recherches. Là. Euh, le gouvernement suisse, en fait, il a établi euh, que le biomédical était une niche. Technologique très importante au cours de vers l'an 2000, comme ça, et, euh, en 1999 exactement. Et puis, je faisais partie des heureux invités, hein, des spécialistes mondiaux dans le domaine du biomédical. Ils nous, ils nous ont invités pendant une semaine et chacun doit parler, en fait, conférencier, sur le, le génie biomédical, sur son avenir. Euh, puis l'importance en fait, euh, de ce secteur-là sur la, la santé, mais surtout aussi sur l'économie. Et la Suisse euh, était à la recherche d'autres créneaux. Euh, vous savez, l'horlogerie n'est plus, euh, plus à, à date. Là. Donc, ils ont identifié, en fait, quelqu'un leur a pisté le génie biomédical, mais ils n'étaient pas si sûrs que ça. Donc, euh, on a consolidé, ils ont fait un rapport en fait, euh, de ce congrès-là. C'est sorti un rapport que vous voyez ici à droite pour le gouvernement fédéral suisse qui, suite à ça, a décrété carrément, décrété que l'école polytechnique de Lausanne devrait développer le génie biomédical en toute priorité. Et puis ça a fait une crise parce que c'est une école polytechnique, c'est des ingénieurs, ils sont pas dans le médical, et il a fallu presque faire un lock-out de l'école polytechnique de Lausanne pour imposer. Comme directeur général de Polytechnique de Lausanne, un médecin qui s'appelle AB, hein, pour transformer cette école d'ingénieurs, pour que dans chaque spécialité, chaque domaine du génie, ils vont faire du biomédical. Et aujourd'hui, le pari a été réussi, j'étais vraiment content de voir le résultat, c'est que Polytechnique de Lausanne est devenue la première école de génie biomédical en Europe. Okay, c'est vraiment la locomotive au niveau européen. Et c'est grâce à ce directeur aussi, Aibi, qui a su uh, gouverner, en fait, diriger d'une main de fer cette uh, polytechnique de Lausanne. À la même période, en fait, comme je vous ai dit, j'ai pris, uh, je voyage souvent pour des conférences, Là, j'ai été invité uh, à un congrès scientifique européen. À Barcelone, je pense vers 2001-2002, et euh, à la fin du congrès, je reçois un message d'un ancien ami à à euh, HM, qui me dit euh, :« Voilà, tu es, à, tu es à où J dit je suis à Barcelone. Il m'a dit :« Mais c'est toi qui a une, une première rencontre catalan là-bas qui commence dans deux jours. » J'ai dit :« Non, je suis pas au courant. » Il m'envoie le lien. Je contacte les organisateurs, et puis. Euh, j'ai contacté Carl ici, là Castillanos, et Salmchaka, et, et j'ai eu une réponse ultra rapide de Castillanos, les Catalans, qui me dit, écoutez, euh, malheureusement, le programme, il est complet, vous ne pourrez pas présenter, mais il pensait que je voulais présenter alors que c'était juste pour assister, mais si vous voulez juste assister, il n'y a pas de souci, on serait même honoré que vous participez pour deux raisons. Parce que d'une, vous êtes cabine d'origine et vous êtes québécois aussi d'adoption. Donc, la Catalogne, on est amis avec le Québec, on a les mêmes problèmes. Avec la kabylie aussi, on les invite. Donc, vous pourrez nous donner votre expertise ou votre point de vue, même sur le Québec, etc. C'est comme ça que j'étais, par hasard, encore une fois de plus, le hasard, des fois, il fait bien des choses. Donc, j'ai participé à cette première rencontre à Kabilie Catalogne organisé et financé par le, la gracieuseté des parlementaires catalans, et qui a. C'était pour parler évidemment le sujet de l'heure. Là, c'était après les après après les massacres là, de des de, de Kabyles en 2001 à Alger. Donc, c'était pour discuter surtout de ça la, qui, était, qui était la motivation primaire. Donc ici, on voit mon ami Martínez qui était un des artisans organisateurs avec des catalans là de cette forum là ici dans, euh, devant chez lui, à Cadiz, euh, devant son olivier là, euh, un peu de nostalgie. Et ici, vous reconnaissez peut-être quelques personnes, euh, lors de ce congrès-là, euh, de, euh, de, 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 de cette rencontre plutôt, Kabylie Catalan, la première du genre. Il y a Selim Chaker ici, il y, a, en fait, il y a quelques années déjà, et notre ami euh, Farhad. Donc, euh, il y a toujours un souci comme vous voyez là euh, euh, quand on est scientifique, un chercheur entre euh, il faut balancer les choses entre euh, j'étais toujours ballotté là entre l'humilité et l'émulation. L'humilité parce qu'on l'éducation de l'éducation. Euh, rien euh, dit l'éducation, c'est zigakafou kni donc euh, j'essaie toujours dans ma vie de rester simple même les études à Guignes, comme j'ai fait mes études presque par accident, une toile là, à plusieurs reprises, j'aurais pu, pu arrêter, abandonner. Donc je, je me suis entouré, et aussi pour ne pas être, pour que ça ne me monte pas à la tête. Hein, les choses, des fois, montent à la tête là, les études euh, que des nains rachetent tout à l'heure. C'est qu'il y a beaucoup qui ont réussi euh, leur carrière, qui sont des scientifiques, mais ils sont perdus pour la communauté, pour la diaspora. Et c'était ma hantise aussi là. Je voulais pas être coupé. Ni de, de ma, ma culture, ni de ma, ma communauté, ni de la diaspora, ni du pays. Le pays, bon, c'est une autre chose, parce que politiquement, ils nous ont barré les routes, mais avec la diaspora, ça ne dépendait que de nous. Donc, j'ai essayé d'entretenir ce lien euh, privilégié avec euh, la diaspora, et souvent, pour ne pas complexer les gens, pour les mettre à l'aise, tout à fait à l'aise, je ne discute jamais de ce que je fais là. Pour moi, la recherche scientifique là, ça sert à quoi de discuter avec quelqu'un, skin qui est un ouvrier, surtout Français. Hein, J'ai vécu plus de huit ans en France. C'est tous des émigrés pour la plupart du temps. Et puis, par expérience aussi, si je me mets à parler de la science, là, tu perds les gens où ils, ils se complexent et puis c'est la fermeture. Donc, je ne voulais pas ça. Mais d'un autre côté, il fallait émuler les gens. On sait que les diasporas, par exemple, regardez les la deuxième génération française, elle est complètement perdue parce qu'ils euh, n'ont ils pas d'élite, ils n'ont pas euh, de référence euh, pour des gens qui ont réussi. Il pas ce, ce, pour... Donc, il faut aussi euh, être visible pour faire souhaiter, peut-être qu'il y a un peu d'émulation à faire chez les jeunes de la diaspora. Donc, euh, euh, moi, mes amis, comme je vous ai dit, là, en fait, c'était des simples... Citoyens, en fait, euh, euh, même, je dirais, ma venue ici au Québec, au Canada, elle a favorisé aussi ça. Parce que, je fréquente beaucoup les Méditerranéens, les communautés italiennes, les communautés grecques. Et puis, quand je vais à la petite Italie, euh, au restaurant, par exemple, je, je trouve là-dedans, je côtoie aussi bien des, des ingénieurs que des, que des commerçants, des, des gens simples italiens. Euh, les Kine, ils font pas de cet amalgame-là, il n'y a pas de complexe. Nous connaissons, il y a un complexe. Il y a des gens marins qui ne jamais l'occasion, j'en connais ici même à Montréal, qui ne donneront jamais l'occasion à quelqu'un d'aller prendre un café avec eux. Les venez ils sont dans l'out-sphère, ils fréquentent. Ça, c'est une mentalité un peu, je dirais, franco-française d'ailleurs. Hein. Pour certains, c'est les complexes des Français que pour avoir un rendez-vous, pour rencontrer quelqu'un, il faut avoir un rendez-vous. Donc, ici, en fait, les Québécois, c'est pas ça, c'est simple aussi. Donc, euh, j'ai essayé, j'ai hérité aussi un petit peu de, de cette ouverture-là, hein, euh, en ce qui me concerne. Euh, je peux vous citer, par exemple, des amis euh, que j'ai eus comme ça, là, pour vous donner une idée. Un ami Vlad dont je vous parlais au village, c'était un analphabète, mais c'était un, une mine d'or, il m'a appris énormément de choses. Amar Bouddha, un de mes meilleurs amis poètes à Paris, qui travaillait dans la cuisine à Air France. Il euh, y a Ria Amskino aussi. Euh, il a euh, mis c'est aussi un, un gars en or euh, et Paris. jour, il avait une laverie, c'est le linge, j'ai noté des disait, mais les discussions que j'ai eues avec lui, c'est d'une autre facture. C'est quelqu'un, il se euh, fraîche de la poésie, etc. Euh, Amir j'ai ici à Montréal. En fait, t es, t es, les gens connaissent. C'est Saint-Eugène, un ancien turc, etc. J'ai appris énormément de choses. Sur l'histoire des Turcs à Alger, grâce à lui, parce qu'il est descendant, l'arrière-petit-fils d'un Turc à Alger. Il y a, je continue là, est là il est à euh, j'ai parlé tout à l'heure du club Averrois, c'est à il est d'Aintaya. il est mais il est travaillé, il euh, m'a et puis il a travaillé ici à CFCF12, à euh, la télévision, donc j'ai beaucoup appris aussi avec lui. Il y a Amir Rouget, à Paris, Amir à Montreuil, c'est quelqu'un qui, euh, euh, vous savez, euh, Amérogé, il est au milieu ici, avec euh, Ahmed à sa gauche, et moi-même euh, ici, euh, vers les années 90 par là, euh, justement, avant, avant qu'il retourne, Haït Ahmed, en euh, euh, 89, je pense. Là. Et puis Amérogé, c'est une mine d'or, il c'est a l'ensemble Ahmed, c'est qu'Amérogé, euh, il est de, Mohamed je son vrai nom, il est d'Azazga, et c'est lui qui était au PPA. Il a fait toute la guerre de libération dans la clandestinité avec la Fédération de France. Il a pris de l'âge, mais il était un blanc pratiquement. C'était un rouquin, un messer, un Et c'est lui qui a sorti Haït Ahmed du lycée pour l'enrôler dans le PPA. Il m'a raconté ça plusieurs fois avant cette rencontre-là. Et puis, il pensait que j'avais des doutes sur ce qu'il racontait. Et il a provoqué là, cette rencontre-là avec Haït Ahmed à Paris. Et pour, il lui a rappelé ici, il était en train de lui rappeler toute cette histoire-là, cette épopée, avec l'agrément, évidemment, d'être Donc, voilà un peu, les, je peux continuer la liste. Donc, comme je vous dis, les amis, pour moi, c'est pas... Ma, il y a le, le, la science, c'est une chose, on peut discuter. J'ai l'occasion de me faire valoir avec des scientifiques. Mais pour notre culture, c'est des monuments, tous ces gens-là. Donc, il faut... Il faut garder un respect par rapport à nos, à nos aînés, à nos ancêtres là, etc. Maintenant, Rachid, si tu permets, je switch un peu, vous donner un échantillon sur les travaux scientifiques. Vas-y, euh... vas-y. Al Hussein, c'est très, très, riche, hein, vraiment. Maintenant, vous fouiller là, qu'est